On a parfois tendance à croire qu'un musée est un lieu figé, une fois que les choses sont au mur, elles ne bougent pas. En réalité, un musée, c'est vraiment un lieu très vivant, donc là, c'est un accrochage qui, évidemment, va durer dans le temps, mais on a déjà des idées pour la suite, plein d'aménagements complémentaires, des œuvres qui sont en cours de restauration et qui arriveront dans les prochains mois pour être à nouveau accrochées. Ça, c'est une première chose, je dirais, c'est la vie des collections. On sous-estime parfois, mais les musées, c'est vraiment aussi ce travail-là au quotidien. On a des projets d'exposition aussi, je dirais la grande exposition que nous attendons, nous, c'est cet automne, à partir du mois d'octobre, on fait une grande synthèse sur les puits d'Amiens. C'est un ensemble majeur de la collection de peinture et on leur dédie une exposition dans le cadre du 800e anniversaire de la cathédrale qui va nous permettre de faire un point complet sur ces œuvres majeures et de produire un catalogue que j'espère être un catalogue de référence. C'est aussi une manière de remettre le musée dans une dynamique de recherche, ce qui est l'une des missions d'un musée.